Clem. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui sur Roblox Bismol, Sofiane, c'est ça? Exactement, Bismol. Bismol, voilà, Bismol Roblox. En fait, si vous voulez, nous allons devoir couponner notre ruche. On va devoir récolter du pollen pour agrandir notre ruche, en fait. Voilà, c'est ça. Alors moi, je connais vraiment pas le mode de jeu. Sofiane, il connaît un peu puisqu'il a déjà joué. Et Sofiane, ici présent. D'ailleurs, bonsoir à toi, Sofiane. Comment vas-tu? Bonsoir, messieurs et mesdames. N'hésitez pas à vous abonner. Ça, voilà. Ça mange pas de pain. Abonnez-vous, ça mange pas de pain. Alors aussi, les gens, je voulais vraiment vous dire un grand merci pour le retour que vous me laissez sous les vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous avez bien sûr un petit lien G2A dans la description pour aller acheter vos jeux moins chers. Donc Sofiane, bien sûr, va nous expliquer le but du jeu. En fait, vous allez voir qu'il va falloir faire notre ruche. Mais avant ça, comme vous le savez, les gens, c'est la semaine spéciale Jouer avec Molo, où on va tenter de gagner des objets de folie sur ce site. Login impeccable. On balance un petit billet, Sofiane. Combien que je mets? Combien que je mets, Sofiane? Combien? Allez, allez, 15 balles, on est... Allez, 15 balles, tiens, c'est quoi 15 balles? C'est quoi? Allez, 15 balles. C'est quoi pour un youtubeur? Tiens, j'en mets 20, tiens, allez, vas-y. Voilà. Je suggère la wokesse. Allez, la wokesse. On se fait une petite wokesse, les gens. Le hand spinner, avec moi, Sofiane. Le hand spinner, J'en rêve tellement du hand spinner. Ouais! J'ai gagné un hand spinner, Sofiane! Alors, j'ai gagné un spinner, mon gars. J'ai gagné, moi, un head spinner, mon gars. Allez, on se tente une petite Android case. Bien entendu, Allez, on regarde ce qu'il y a à gagner avant. Le S9, c'est de la merde. Le Samsung Galaxy Tab, c'est de la merde. Le drone, c'est de la merde. Ça, 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 c'est de la merde. Ah, il y a le dual USB à 7$ qui m'intéresse. Éventuellement, le micro USB ou le bracelet. Les gens, on a déjà 5 S9 à la maison. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ouais, franchement, moi, je voudrais un petit bracelet. Un petit bracelet, allez. Avec moi, Sofiane, le bracelet. Le bracelet. Le bracelet. Le bracelet. Allez, le bracelet. Le bracelet. Ouais, Sofiane, j'ai gagné un bracelet. Ouais, je le garde. Je le garde. Franchement, je suis tellement... Je suis tellement heureux, franchement. Je suis tellement chanceux. J'ai tellement de chance, quoi, c'est... Wouh. Écoute, on va se tenter une toy case, Sofiane. Ah, franchement... Oh, alors là, si j'ai le poulet ou quoi... Alors, attends, on regarde ce qu'il y a à gagner. Donc, la PSP, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde, de la merde. Ah, le fun cube, c'est pas mal. Un petit cube puzzle. Un petit Spider-Man, franchement, ce serait pas mal. Allez, avec moi, Spider-Man. Allez, vas-y, un Spider-Man. Ah, j'ai gagné un cube, Sofiane, un cube quand même. End spinner. Ouais, c'est pas mal, j'ai gagné une cagoule. C'est pas mal, je suis content, j'ai gagné une cagoule. Si vous voulez tenter votre chance, vous avez un petit lien dans la description. Attention, c'est des jeux d'argent, il faut avoir 18 ans. Et surtout, avec modération. Donc là, on est avec notre petite pelle, tranquillement. Vous voyez qu'on récolte du pollen. Est-ce que le sac qui se remplit? Tac. Egg item. Ok, d'accord. Ah! Voilà. Ah oui! Ensuite, t'appuies sur E. Ah oui. E, stop ensuite, making honey. Ensuite, prends le pollen que t'as récolté tout à l'heure, tu sais, avec ta pelle. Et hop, après, il va le poser dans la ruche. Et une fois que t'auras atteint une certaine somme d'argent, tu pourras racheter des œufs pour avoir plus de pollen et pour être milliardaire. Je fais semblant d'avoir tout compris. Ok. Vous savez, c'est trop bien. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Eh, n'hésitez pas les gens à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, hein. Franchement, ouais, ça nous ferait plaisir. Regarde, je suis déjà presque plein, Sofiane, En fait, on est en train de faire des petits pots de miel. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. On va pouvoir faire des petits pots de miel qu'on va pouvoir vendre à nos abonnés. C'est cher le miel, hein. C'est très cher les gens, le miel. Ouais, c'est très cher. En ce moment, c'est un peu la hesse. Du bon miel comme ça là. Du miel fait maison là. Très bon aussi, c'est très goûteux et tout. Regardez comment qu'elle travaille, notre petite abeille. Regardez, information, le miel ne périme jamais. Voilà. Ouais, parce que je sais que normalement ça fait une pellicule. N'hésitez pas à le dire à tous vos profs, Bouyakem m'a dit ça et ça me ferait plaisir. Mais il me semblait qu'au bout d'un moment, quand même, ça. Tu sais ce que je veux dire? Hop là, j'ai un autre. Voilà. J'ai une autre petite abeille, moi, monsieur. Arrête, toi, t'as une autre abeille? Ouais, j'en ai une. Mais c'est pas vrai. Et Sofiane. Oh, c'est quoi ça? What the fuck? What the fuck? J'ai récolté un truc, Sofiane. Tu me croiras jamais, je sais pas. Les meilleures fleurs, c'est une espèce. Rouges, moi, je dis. Les rouges, ouais. Ils sont bien pollinisés. Moi, perso, les gens, je suis très allergique au pollen. Ça m'enrhume chaque année. C'est un truc de fou, vraiment. Moi, pour que vraiment je tombe malade, faut vraiment qu'il y ait un bout de pollen qui tombe dans mes yeux. Et là.
fait tomber la conjonctivite. Ouais, mais franchement, le pollen, ça vole partout, t'as vu. Tous les étés, c'est un petit moi, peu... Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Non, Igor Item. Parce qu'après, moi, j'aime bien le pollen, je me le mets dans les yeux tous les... Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, après, ouais. Je dors bien. Sinon, je dors pas bien. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je prends des bains de pollen comme ça, là. Voilà. Je prends des grosses boules de pollen, je les ranifle et tout. J'en mets dans mon oreiller et tout. Vraiment, je kiffe ça. C'est trop bien. C'est quoi ça? Vas-y, tu peux l'attaquer. Vas-y, dégage. Vas-y, déglingue-le, Sofiane, déglingue-le. Attends, je me fais déglinguer, je me fais déglinguer, Sofiane. Vas-y, il m'a niqué, il m'a niqué. 200 euros. What? Ouais. Ouais. Super. Tirer de batte contre 50 balles, tirer de batte contre un scarabée géant, en vrai, dans la vraie vie. Allez. 100 balles, je le fais. Contre 50 balles. Tu vois, je veux dire une mygale géante, tu vois, mais qui fait 3 fois ta taille. On te donne 50 balles. Tu vas te battre contre la non, mygale géante, toi. Pour combien, moi, je dis, tu manges une mygale? Pour combien je mange une mygale? Comment? Cuit? Ouais, ouais, les mygales, tu sais, comme dans les dégustations, là. Ouais, pour combien j'en mange une? Franchement. Ouais. Ah, je sais pas, c'est dur. Allez, c'est dur. Pas entière, un croc. Un croc. Entière, il n'y a plus de but. Non, après. Non, un croc, un croc. Moi, pour 200 000 vues, je le fais. Ah non, non. Regardez-la, cette cata, écoutez-la, cette cata. Ouais, toi, pour 1 million, tu le fais. Je le fais pour pas moins de 10 millions. Non, non, un croc, si tu veux, un croc. Ouais, vas-y, un croc. De toute façon, la prochaine fois que je te vois, je vais remettre des crocs. Les araignées, mon pote. On va les manger. N'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu si vous voulez qu'on fasse une dégustation d'un insecte. Si vous voulez que Sofiane il les mange. De toute façon, on fera des non, c'est chaud. Et celui qui perd, ouais. Il mange l'insecte. Voilà, ouais. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Le pire, c'est. Ah putain, à chaque fois, c'est tous les ans, mon gars, c'est dans Koh-Lanta. Oh, dans ouais, Koh-Lanta, l'épreuve que je redoute, c'est verts, celle où il mange les vers et tout. Blancs, les yeux ouais, de poisson, là, mon gars. Oh, et non, mais je vous jure, derrière l'écran, mais je suis comme un fou, franchement, je suis à la limite en train de allez, vomir, tu vois. Moi... Ça me fait des espèces de. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait des. Ouais, ça fait des Rolands. Ça fait des Rolands. Ça me fait des remontées. Et pendant ce temps-là, tu sais, tous les ans, à cette épreuve, Denis regarde les candidats et il coupe son steak frites comme ça, tu vois, il les regarde ouais, bah fièrement, oui. Tu vois ce que je veux dire? Il se dit alors, c'est pas trop dur? Alors? Hein? Alors, ça va? Ça se passe après, bien? Après, il fait un gros mollard, il fait tout. C'est pas clair. Trop dur. Oh putain. Et je vois bien, pendant l'épreuve de confort, le but, c'est que tous les candidats de Koh-Lanta, ils se mettent devant Denis, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ils ont pas mangé depuis 15 jours, hein. Et bien Denis sûr. Fait cuire une entrecôte bien assaisonnée au barbecue, aux petits oignons et tout. Ouais, et c'est voilà, moi... voilà non, devant non, les candidats comme ça, devant les candidats. Et faut qu'ils résistent, faut qu'ils résistent. Tu pourras t'acheter un nouveau sac. Ah ouais? Pour qu'il a plus de miel. Non, c'est pas vrai, sérieux? Ah bah là alors. Par contre, là tu vois monsieur, wow. Là, tu nous dis ça à cette heure, tu vois. Là ça nous intéresse, regarde-le ouais. Comment qu'il est refait lui. Regarde-le lui, il oh. Met un coup de pelle, il détruit tout. Nathan. Ouais. Tu vas chialer. Arrête, sérieux? Vas-y regarde déjà, je vais pouvoir acheter. Ah bah je peux acheter un nouvel œuf, Sofiane. Bah achète-toi pas d'œuf en fait, achète derrière toi un sac, c'est mieux non? Et c'est où les sacs? Les sacs c'est là-bas, c'est dans le shop. Après, tu peux t'acheter un œuf si tu veux. Eh, la vérité, je crois que mon abeille, elle est buggée, Sofiane. Non, mais elle va être débuggée, moi aussi. Elle était en train de dormir un peu, c'est tout. Mais elle dort, elle dort les yeux grands ouverts et elle sourit, mon gars. Ah, ça y est, lave-la. Ça y est, lave-la, c'est bon. C'est où, Sofiane, que t'achètes, par exemple, du nouvel équipement? Parce que ça, nos abonnés, tu vois, ils veulent le savoir, ça. Le nouvel équipement, c'est au shop. Ouais, c'est quoi, ça? Eh, ça, c'est... Oh, non, mais ça, c'est les gars... Ça, c'est le classement des pros, ça, c'est le classement des pros. Ne regarde pas, ça fait mal aux yeux. C'est ceux qui ont passé leur vie sur Bismol Tycoon. Voilà, qui... Eux, tu sais, c'est même plus des ruches qu'ils ont. Eux, c'est des abeilles maintenant dans la vraie vie. Eux, maintenant, dans la vraie vie, ils volent, mon gars. Ils sont transformés, tu vois. C'est des grosses boules de pollen dans la vraie vie. Quand ils se réveillent le matin, ils font. Le mec, ça fait tellement longtemps, il a pas vu le soleil. Il sort de chez lui, il fond, mon gars. Il fond. Il bronze à la lueur de l'écran de son PC. Tu sais, après, il y a les gens riches, hein, tu sais, ils peuvent acheter des Robux, hein, ça veut pas dire qu'on n'achète pas, que... Ouais. Ah, sûrement. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. Alors, attends, qu'est-ce que je peux acheter, Sofiane? Pour 650, tu peux acheter un nouveau sac. Ouais, bah écoute, j'ai bien envie d'acheter une nouvelle pelle, moi, plutôt, non? C'est 1250, je crois, à peu près. C'est combien? Vas-y, tu sais quoi, j'achète une nouvelle pelle, moi, monsieur. Oh. Allez, vas-y, crack! Il est dingue, il est dingue. Allez, crack! Allez. Il est dingue, il est dingue. Loi dingue, il est dingue. Sofiane, tu vas péter un câble. T'as un râteau, toi. Tu veux péter un... Ben moi, mon gars, mais j'ai pas ton temps, moi, mon vieux. J'ai pas le temps, mon vieux. What the fuck?
Mais moi j'ai un gros pot de miel sur moi, alors. C'est qu'il y a un râteau, moi. Alors. Alors. Moi, ta grande gueule. Alors, on t'entend moins, là. Ah, mais toi, tu vas pouvoir tuer les scarabées, tu sais. Moi, je. Ah ouais, putain. Oh, les gens, je vais pouvoir aller me battre contre des scarabées. Ça va être une dinguerie, quoi. Vas-y, voilà, 1000. J'ai 1000. Je vais aller. Putain, lui, mon vieux, comment qu'il est chaud. Oh. Je vais acheter. Oh, c'est quoi ça? C'est du jus. C'est quoi ça? C'est du jus. Vas-y, buy for 1000. Allez, vas-y. Donc là, je vais avoir deux abeilles, là. Vas-y, je vais la mettre juste à côté, comme ça. Putain, mais c'est une histoire sans fin, en fait. Mais non, après, tu pourras améliorer tes abeilles pour que ça devienne des chétanes, laisse tomber. Alors... Ils vont pomper le pollen à foison, quoi. Regarde ce qu'il a. Il a des abeilles gelées, des abeilles chétanes. Mais ouais, non, mais lui, mais laisse tomber. Lui, il a... Lui, Sofiane, confond pas, mon vieux. Ça fait 20 ans qu'il joue à Roblox. Ouais, j'aime pas le regarder, moi. Ça me fait mal aux yeux. Ça pique quoi. C'est pas, mon vieux. Lui, c'est le développeur de Roblox, mon gars. Lui, c'est... Lui, il fait partie des développeurs de Bismol. Lui, il fait partie des développeurs de Bismol, mon gars. Bah ouais. Il a pas ton temps. 88 000, regarde. Il doit regarde ça. Regarde ça, il a un casque jaune. Il a une tenue d'astronaute, des bouteilles d'oxygène, mon vieux. Il est cheaté, le gars. C'est un truc de ouf, quoi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes cheaté dans Bismol. Ouais, n'hésitez pas à nous le dire. Ça nous ferait plaisir. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Au niveau d'eau, ça nous ferait plaisir. Bon, au niveau d'un peu de partout. Voilà quoi. Voilà quoi. Est-ce que c'est les abeilles qui attaquent les scarabées là? Oui. Vas-y, attaquez les gars, attaquez. Par contre, j'avais une deuxième abeille. Et je sais pas où elle est. Regarde, elle est en train de le niquer, elle est buggée. Elle est en train de la niquer. Il y a un boost là-bas, Nathan. What the fuck? Oh yes! J'ai gagné 50 balles, Sofiane. Alors? Bah là, je râle. Mon gars, y'a un gars qui me dit Jojo, il est cheaté à mort, mon gars. Il peut prendre 225 000 de miel. Demandez qui te donne du miel. Donne-moi des miels, Nizar. Regarde, il est cheaté, mon gars. Je suis ton plus grand fan. Merci, Nizarek. Dédicace, grosse dédicace à toi, Nizarek. Il doit faire au moins 2 mètres, alors. Hein. Nizarek, grosse dédicace à toi. Ouais, si c'est le plus grand fan, il doit faire au moins 2 mètres, 2-3 mètres. Ah, mais alors, c'est lui depuis tout à l'heure qui nique le game, mon gars. Ah, bah ouais, c'est lui. Nizarek 2008, ça veut dire qu'il a commencé à faire sa partie en 2008. Ça fait 10 ans. Je comprends, Nizarek. C'est normal, Nizarek. C'est normal. Regarde, mon gars. Regarde ces abeilles, comment qu'elles s'activent, on est ridicule à côté. Waouh. Ah yes, putain, mais excellent, mon gars. Allez, je vais acheter un nouveau sac, Sofiane. J'ai pas spécialement trop le temps, tu vois ce que je veux dire. Dans les commentaires. 650, oh putain, vas-y, j'achète celui-là, 650. Allez, crack, c'est bon. Mais regarde, mon gars, et Nazareth, il fout un coup de pelle à côté de moi, il ramasse tout, quoi. Je veux dire, il a pas trop le temps, mon gars. Bah ouais, mais arrête. Il ramasse tout ce qu'il y a autour de moi. Et moi, je ramasse plus rien, quoi. Je vais pouvoir acheter une troisième abeille. Je suis très content. Pas une deuxième. J'ai dit une troisième, monsieur. Mais une quatrième, mon vieux. Non, une troisième, là, une troisième. Troisième, monsieur. Voilà, je suis très heureux. Voilà, il est puis, très tu vois, je ne sais plus quoi dire. Mon gars, avant qu'on en arrive au niveau de Nizarek, je peux te dire, on a pas fini. On a pour 2-3 semaines, facile, ça va. 2-3 ans, ouais. Allez, mon gars. Oh. Allez. Oh, et j'ai une abeille rare. Comment ça? J'ai une abeille rare, mon gars, dans l'œuf. J'ai deux abeilles rares, moi. J'ai deux abeilles rares. Et ça change quoi, les abeilles rares? Ça fait quoi, en fait? Elles récoltent plus, elles te donnent plus, elles te donnent des boosts, elles sont cheatées, quoi. Ah, d'accord, elles sont cheatées, ok. J'ai deux abeilles cheatées. Alors, à mon avis, là, à trois abeilles, ça va aller super vite pour... Putain, il y en a une qui dort, quoi. Laisse tomber. T'en as quatre, toi? Je vais en acheter une quatrième. Ah ouais, putain, bien. Ouais, à trois abeilles, le sac, il se vide vite fait, quand même, hein. Ouais, quand même, t'as vu, c'est beau. Ça se vide vite, quoi. Hein. Ouais, c'est beau, trois abeilles. Bon, les gens, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On a bien avancé, en tout cas, dans Bismol Tycoon. Si la vidéo vous a plu, les gens, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir. Si vous voulez voir éventuellement une suite, et ben un petit commentaire avec le petit like pour accompagner tout ça. Et dites-nous, ça se trouve, peut-être que bientôt, challah, comme on dirait, on atteindra le niveau de Nazarek 2008. Quoique Nazarek, ça fait déjà 10 ans qu'il y joue. Sur ce, on espère que la vidéo vous aura plu. On vous dit à bientôt. Et ciao tout le monde, bye bye. Bye bye. Salut Sofiane.